Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Voici un aquastop. Alors, qu'est-ce qu'un aquastop et comment l'entretenir? Alors, ça demande très peu d'entretien, je vous rassure, c'est une petite fois par an. Et si vous avez évidemment une indication sur votre lave-vaisselle. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un aquastop? C'est simplement une sécurité contre les fuites d'eau de votre appareil. Alors imaginons, votre lave-vaisselle perd de l'eau. S'il perd trop d'eau, à un moment donné, l'aquastop va simplement stopper l'appareil. Ça évite des dégâts à votre cuisine ou simplement à votre maison. Si par exemple, il reprend de l'eau en permanence. Donc vraiment, l'aquastop protège en fait d'abord votre appareil et également votre cuisine pour éviter que simplement vous ayez 90, 100 litres d'eau qui se déverse toute la journée parce que vous avez mis le lave-vaisselle quand vous êtes parti. Cet aquastop est placé pour les lave-vaisselle intégrées sous votre meuble, sous votre évier, donc dans le meuble évier. Il est toujours accessible car il est mis pour la plupart du temps sur les vannes d'eau froide. Tout d'abord, alors, la première chose à faire, si votre lave-vaisselle vous indique un problème, problème à l'arrivée d'eau, à l'évacuation d'eau, tout d'abord, dévissez votre aquastop et vérifiez si le filtre n'est pas rempli avec un peu de calcaire, un peu de saleté. Nettoyez-le sans forcer jamais d'objets qui peuvent abîmer, d'objets coupants qui peuvent abîmer ceci. Attention, il y a un joint à l'intérieur. Et évidemment, ouvrez le robinet pour voir si vous avez assez de pression d'eau. Alors, ce genre d'entretien se fait une fois ou deux par an, d'abord quand le lave-vaisselle l'indique, sinon une fois par an, dévissez, vérifiez si tout va bien au niveau de votre aquastop. Donc voilà, vérifiez chez vous si vous avez un aquastop, demandez également à ce que vos nouveaux appareils soient équipés d'un aquastop. Pour les lave-vaisselle, la plupart le sont, certains lave-linges aussi, donc c'est une sécurité contre des dégâts éventuels d'eau dus à une défectuosité de votre appareil. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Plus d'infos dans la description. Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !